Comme à chacune de leurs trouvailles, je venais de recevoir ton message. Je suis au métro, porte de Versailles, je t'attends sur un petit nuage. Le délicieux Gotarbourg s'était aussitôt... Les stations, chacune à leur tour, se plaisant à nous rapprocher. Sur le quai, le brouhaha, la bousculade des grands soirs et le clignotement de tes doigts, là-bas, tout au bout du couloir. Le slalom à travers la foule pour se rejoindre attire d'elle la fièvre, la chair de poule, tes yeux qui brillent comme des perles. Une petite bise pudique, enfin nos doigts entrelacés, ta voix comme une petite musique qui conjugue le verbe aimer. Tu t'es invité dans ma vie il y a quelques 6 mois maintenant, et alors, tour de magie, c'est depuis un enchantement. Tu as transformé mon décor, c'est peu dire, ajouté un plus. J'ai décroché la palme d'or, j'ai en main un Stradivarius. Nous sommes maintenant dans la rue, traversons le parc ombragé. Ton appart est déjà en vue, j'égrène quelques banalités. Puis la porte cochère, l'ascenseur, premier moment d'intimité. Nos yeux, nos joues, nos lèvres, nos cœurs retrouvent leur droit de cité. De la fenêtre de ton bureau, on aperçoit la tour Eiffel, bien plaquée tout contre mon dos, tu montres le triangle isocèle. Tu poursuis la visite guidée, une main glissée sous ma chemise. On se promène entre les cheminées et les toitures d'ardoises grises. Face à face, dans la cuisine, nous prenons un jus de fruits glacés. Tu me parles de ta copine, de ton boulot, de nos projets. Je t'écoute, te trouve beaucoup de charme, de la classe, de la lucidité. Sur le guide du routard des belles âmes, t'as toutes les chances d'être nominé. Ta chambre nous tend grand les bras, volet clos, lumière tamisée et au mur, Pablo Neruda qui invite à tout partager. Aussi, sans nous faire prier, tout comme Elsa et Aragon, nous voilà maintenant enlacés jusqu'à en perdre la raison. Nous sommes jongleurs, gladiateurs, danseurs, sculpteurs, matadors. On ne connaît pas nos corps par cœur et nos cœurs, bien moins encore. Alors la grande randonnée, la découverte des paysages, les gorges et les cavités, les trous de verdure, les alpages, c'est sublime. Ça fait frissonner, ça donne aussi froid dans le dos. Le site mérite d'être classé au patrimoine de l'UNESCO. Alors la tornade d'émotions, l'aubade, la musique de chambre, le doux duo cuivre-violon, l'immense plaisir de jouer ensemble. Excuse les caprices de mon bic, j'avais follement envie de t'écrire, prolonger les moments magiques, de mettre des mots sur ton sourire.